On va voir quand même. C'est toujours mal, hein, là. Bon. Salut les amis. Alors un petit tournant dans l'aventure. Ce matin, Victoria a été jouée à la plage avec des enfants d'un autre catamaran. Et en plongeant du ponton, elle a eu la bonne idée de sauter là où il n'y avait pas d'eau. Il y avait de l'eau, mais pas assez. Et elle est revenue avec la cheville complètement enflée et toute bleue. Alors la question c'est, est-ce que c'est juste foulé? Dans ce cas-là, on a une attelle, on lui met l'attelle et puis on attend que ça se passe. Ou est-ce que c'est cassé avec un déplacement? Mais ça, moi je sais pas dire. En plus, dès qu'on lui effleure le pied, elle hurle. Elle est douillette comme son papa. Donc on est exactement à 117 000 de la Martinique. Si on y va, on sera soit au pré, soit au vent de travers. 117 000 en ligne droite. On sera entre pré et vent de travers, c'est-à-dire on va être au bon plein. Il y a 20-25 nœuds de vent. On va quand même avoir les vagues de face. Donc ça va secouer. On est chauvin les Français. Je préférerais avoir affaire à un médecin français. Avec des diplômes français. Et puis bon, 117 000, c'est pas grand chose. Hein. Si on part maintenant, demain matin, on est arrivé. Hein. Je veux pas partir trop tôt parce que je veux pas arriver la nuit. Je sais pas du tout à quelle vitesse je vais avancer. Est-ce que je vais avancer à 5 nœuds? Est-ce que je vais avancer plus vite? Je sais pas. J'aimerais bien arriver au petit matin. Ça. En plus, si ça se coule, je suppose qu'elle va hurler à la mort à chaque vague. On va voir. Donc on va aller voir là. On remplit tout et on y va. Ouais, c'est ça, hein. Des aventures, il y a des imprévus. Ça fait une heure que j'ai fait la vidéo où je disais qu'on partait. Entre-temps, j'avais remonté l'annexe, j'avais tout rangé, tout arrimé, on était prêt à partir. Et puis, j'ai mon copain qui est sur le 51 pieds à côté là. En discutant en fait, on a regardé et je pense que c'est foulé. C'est gonflé mais c'est foulé. C'est vrai qu'on n'est pas dedans, il y a toujours le risque que ça soit qu'il y a un tendon d'arraché ou un truc. Bon, vu comment au début elle pleurait, on pouvait pas toucher, là ça commence à déjà aller mieux, ça a bien dégonflé. Son pied n'est pas du tout engourdi. J'ai mon abo touché et tout, elle sent pas. Quand c'est cassé, on sent le membre engourdi en principe. Ça a l'air de s'arranger, donc on va raison garder, ce qui n'est pas évident pour les parents, et on va attendre un petit peu. Bon, en principe ça a l'air d'aller mieux, je vais vous la montrer, la grande malade, je vais vous la montrer. Allez, vas-y. C'est comme ça qu'on dit. Fais voir un peu que je touche là. Fais voir, je touche là. Alors. Chut, non, arrête, je filme. Déjà, ça a bien dégonflé. Le fait d'avoir mis de la glace, vous pouvez pas imaginer comment ça a dégonflé parce que c'était énorme et bleu. Maintenant, ça prend des teintes déjà orangées. Il y a assez peu de chances que ça soit cassé vu comment tu es tombé, tu as juste sauté dans l'eau. Finalement, en la cuisinant, elle m'a dit qu'il y avait un mètre d'eau. Il y avait un mètre d'eau, hein. Tu avais de l'eau à la taille, hein.
C'est toujours embêtant, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours peur en tant que parents de mal agir. Donc on va attendre un peu. Tiens, lui il sent qu'on marche avant encore. C'est fou le nombre de bateaux qui sent qu'on marche avant. Bon, il y a un boy boat qui est passé nous emprunter une balance pour aller vendre des langoustes au gros là-bas. Je le vois pas revenir. Ah ouais, regardez. Voyez là, le toboggan gonflable. C'est pas belle la vie? Eh, c'est excellent quand même. L'autre il a un yacht énorme et il a un toboggan gonflable. Heureusement qu'il est passé le copain là parce que on était parti là. I'm sailing away, away, you're welcome. You're welcome. Cause now we can do everything but float. You're welcome, you're welcome, you're welcome. And thank you. Regardez le front nuageux qui passe comme ça. Avec la couleur du lagon.